Yo, le fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes et puis Bombardo Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je dis à nous pas développer trois gros points pour une information. Hein? Mais avant nous faire ça, l'équipe TV Caraïbes, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombardo Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça en pile. Eh bien, on go big up avec Bello Benson, Sandro. Nous pas perdre de temps, nous avons déroulé avec information. Yo. On nous est. Président de la République, là, Jovenel Moïse, présenté un rapport document ITRAC, un expert écrit sous dossier courant ici en Haïti. Et président de la République, là, montré côté l'État dépensé environ 144 millions de dollars US dans le domaine courant avec compagnie ITRAC. L'autre information nous gagne pour. Parti politique tête ensemble pour sauver Star Haïtien, encourager acteurs politiques pour chita parler dans un dialogue sans force côté pour capable résoudre crise pays a fait face dans dernier temps ça. Consortium national parti politique haïtien ak PPG 18 mandé PNH pour renforcer stratégie pour capable assurer sécurité population pour toute activité capable reprendre normalement dans vie nationale là. Et bien nous pas perdre temps non là, n'a commencé coulier. L'État paye chaque mois d'après documents que nous avons d'ailleurs présenté nos documents. Son document que la commission intérimaire qui travaille sur les affaires secteur énergie, sur les réformes. Le document est clair. Il dit que l'État a payé chaque mois 2 millions de dollars pour Okaï avec Tigouave. Et pourtant, l'État paye 2 millions de dollars, vous ne dites pas après l'amour, vous n'avez pas après l'amour, pas jamais bien courant. Information que vous avez, l'État paye 2 millions de dollars et puis il y a 6 MW qui installent Tigouave, il y a 6 MW qui installent Okaï, et pourtant, Tigouave a exactement 1,5 MW en fait qui est disponible. Ça veut dire, courant Tigouave là, c'est le même qui baille jusqu'à Miragouane. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, Miragouane n'a jamais vu le courant parce que 6 MW installés, c'est 1,5 MW seulement que la centrale là baille. Et pourtant, l'État toujours continue à payer même l'argent. Au cas même, il y a 6 MW qui sont installés, c'est 3 MW réels. Que au cas joint, mais ça n'a pas l'air là. N'a pas dit leur centrale à marcher. Centrale ça y a gagné des mois. Si nous elle n'importe qui mon au cas là, mandez depuis qu'il est centrale au cas là des marchés. Mandez mon tiroir depuis qu'il est que vous tenez quoi. Et m'a profité d'occasion pour me faire pendant ma parler là. Portez des documents pour moi, mon document sous. Merci. C'est dit pour nous garder devant la caméra, c'est la commission de pilotage de la réforme du secteur de l'énergie. Mais son sommet exécutif qui fait le 3 novembre 2015 son rapport intérimaire. Et dans la page 4 là, nous avons pour nous dire, pour me lire, pour le peuple haïtien, qui ça que nous avons? Qui c'est des gros experts, gros savants, gros fonctionnaires publics, qui ça a été écrit? Il dit que la situation des cailles de Petit Gouave et de leurs environs doit être adressée en urgence, vu que la ETRAC, qui assure les services de production, ne dispose plus de contrat depuis plus d'une année. Là, on a parlé de 2015. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat depuis plus qu'un an. En 2015, ça veut dire depuis 2014, il n'y a pas de contrat. Elle continue, malgré tout, à fournir de l'énergie électrique à partir d'une puissance installée de 12 MW pour une facture mensuelle moyenne de 2 millions de dollars américains à l'EDH. Ça veut dire facture ça. Le Baïdé a son facture 2 millions de dollars chaque mois. Une régularisation de la situation semble laisser la ETRAC indifférente. Et
Les signaux envoyés lors des discussions montrent clairement qu'elles se sentent plus confortables dans le statu quo. Ça veut dire être plus confortable. J'en bats à l'arrière. Ça veut dire chaque mois 2 millions. Que le bail lumière, que le bail 2 millions. Maintenant, mes recommandations commission. La commission recommande fortement que l'État accompagne le DH dans une stratégie d'acquisition des équipements de la ETRAC en vue de pallier à toute interruption volontaire ou non des services électriques à la population des villes concernées. Là, nous parlons de villes concernées, nous parlons de villes au Caï avec ville Tigouave. Moi, l'île pour qui ça, et me présenter nos documents encore, parce que grand pile parole qui a parlé. Moi-même, aujourd'hui, je t'ai dit que je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Dans même affaire continuité de l'État, je vais continuer à partir de un rapport des experts écrits. Un rapport que des experts écrits, que l'État est fait job. Aujourd'hui, l'homme te dit en octobre que le contrat est coupé. Le contrat est là, ce n'est pas moi qui te coupe. Son contrat est fini, ce n'est pas moi qui te dis. Nous entendons ça. Document. Et le peuple a regardé, m'a dit non. Son contrat qui finit depuis 2014. Ça veut dire de 2014 à aujourd'hui, on fait un exercice. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019, mois de décembre 2019, ça fait 6 ans. On continue cet exercice là. 2 millions multipliés par 12, ça fait 24. 24 qui ça? 24 millions de dollars. Multipliés par 6. 6 fois 4, bon, 24. 6 fois 2, 12. Ça vaut 144 millions de dollars que l'État vient de dépenser déjà. Et la donne, l'État vient de dette. Parce que, le côté de l'État est arrivé, il n'est pas de taper encore. Ça veut dire qu'il est obligé. Suspend parce que c'est un contrat écrit parce que l'État central lui bien que c'est pour lui l'État pas une centrale personne que la jambe saisie et c'est pour ça nous même là aujourd'hui 144 millions de dollars de 2014 à 2019 versus 8 génératrices que nous jouons là et c'est même l'État ça qui commande les génératrices ça c'est de Caterpillar qui équivaut à 9,5 MW pas oublier ça me dit nous Tigouave qui a 6 MW installé, c'est seulement 1,5 MW de recevoir. Je dis à 9 MW Tigouave. Avec dit Tigouave après recevoir 4 génératrices 9. C'est son seul l'État gain. En attendant que le building soit beaucoup fini, moi-même, je t'ai toujours dit, si reste là, c'est pour vous, peuple haïtien. Même si c'est pour vous, si reste ça, c'est pour mon Tigouave. Si reste ça, c'est pour mon local. Je prends une décision. Je dis à ma 4 génératrices ça. Tigouave et m'a voué 4 lotes, ça veut dire 4 MW qui va le Tigouave et 5,5 MW qui va le Kaï. Et ça m'a profité pour me dire mon Tigouave avec mon Kaï. Le même jour, je dis moi des notables qui dans la ville ça, notables qui dans la ville Tigouave, notables qui dans la ville Miragouane, notables qui dans la ville Okaï et toute l'autre commune que le groupe ça va alimenter, faut nous réunir avec des délégués, avec magistrat, faut nous réunir avec tout le monde dans la communauté pour nous regarder comment à faire payer courant parce que pas oublier nous pas faire gaz ici et ça que nous avons au CAI génératrice que nous avons au CAI avec Tigouave Delco ça faut pas oublier ça son opération provisoire c'est pas des génératrices qui vont là pour être vite à mettre dans parce que pas oublier nous avons une réforme dans le secteur énergie et réforme dans clé lui dit qui ça il y a 4 matrices disons 5 matrices énergétiques que nous voulons utiliser sa matrice énergétique en fait n'est pas l'utiliser gaz naturel énergie solaire énergie éolienne biomasse avec hydroélectrique ça veut dire génératrice sont capables là c'est ça grand monde relay un boucané pour tonne bouilli ça veut dire au lieu nous tonne pour c'est dans un an le disant un an et demi n'importe qui l'heure que appel d'offre fin fait pour entreprise qui a appel d'offre là mettez centrale qui va le marché au gaz naturel au CAI pour mettre centrale Tigouave
pour installer le système solaire pour faire mariage là. Avant ça, nous pas qu'à quitter mon petit Guam avec mon Okaï, avec mon Niaguan, dans fait noir. C'est pour ça que nous prenons une grosse décision ça. Mais qu'on est, il pile parole qui va le parler. Mais peuple, aujourd'hui, m'a demandé nous, pour nous qu'il y ait 100 fois, pour nous qu'il y ait calme, nous, parce que nous devons voter, nous mettons le président, nous devons voter, nous mettons le président pour nous venir gourmer avec sous-développement, pour nous venir gourmer avec la misère. Nous ne pouvons pas mettre le gourmer à personne. Et c'est pour ça que grosse décision ça, vous l'avez pris. C'est difficile en pile. Comme dit nous, je dis un lundi, nous sommes tous week-end. Port-au-Prince là, ton jambe bouleversée. Tellement génératrice ça, pour te lever là à côté de hier. Quand pile parole qui t'a parlé. Mais en fait, nous respectons ça, la loi dit. Et génératrice, il y a 4 nœuds qui parlent Tigouave. Il y a 4 nœuds qui parlent Okaï. Pour nous, Okaï. Avec nous, Tigouave. Que m'a profité, mon miragwantou, présentez-nous excuse-moi, parce que m'te dit nous avons une possibilité pour te mettre courant dans le pays à 24 sur 24 dans 24 mois. Mais nous pile mieux que nous jeunes. Quand pile gros bleu m'oblige à jambé, quand pile du feu m'oblige à traverser, m'a demandé nous aider. Le map jambé de l'eau ça, aider me jambé. Le map traversé du feu ça, aider mes thèmes. Je fais sur route moi pour me passer parce que je prends décision depuis le on me dit nous tirer ça c'est pour nous c'est pour nous m'a travail pas de personne qui va bloquer nous sur route ça nous si wa nous miagwan nous Okaï fait à faire nous génératrice c'est pour nous à partir de jeudi on a parlé à la baga fait 2 millions de dollars encore ça veut dire mettre génératrice qui gagne Tigouave vient au Okaï comment c'est chercher pour entrer avec l'état pas dans ses affaires nous pour avoir pour entrer pour EDH entrer à balle parce que je dis Tigouave avec Okaï deux centrales ça c'est pour EDH ça veut dire pour l'état a dit c'est l'état qui a Tigouave c'est l'état qui a Okaï qui a plat pour bailler lumière pas de possibilité de 2 millions de dollars encore maintenant c'est l'argent a besoin pour acheter gaz avec pour nous faire service la génératrice. Bon point qui est important que nous devons faire avant que m'aller. C'est plus génératrice ça. Est-ce que nous sommes ça me dit 2 millions de dollars par mois. Nous faisons un exercice avec nous. 2014 à 2019, ça fait 144 millions de dollars. Nous sommes toutes génératrices ça net. Ça veut dire 4 pour Okaï, 4 pour Tigouave avec Miragwan. Et ça, l'aime de Tigouave à Miragwan, Babi. C'est tout côté nous songer que centrale Tigouave la débat lumière. L'aime dit Okaï, vous ne pas oublier, non? C'est toute commune nous connaît que centrale Okaï la bas lumière. Nous connaissons combien quoi toute génératrice ça au côté? 2 300 000 $. Ouvrez oreilles nous vous demandez. 8 génératrices qui va allumer ni Okaï ni Tigouave. Qui t'écoute l'État haïtien chaque mois 2 000 000 $. Vous tout net coûté là pour acheter 2 300 000 $. Je voulais pour ça, pour le retenir dans la tête de chaque grand haïtien. Pour me comprendre le minimum, il faut libérer l'État. Les gens qui capturent l'État, il faut retirer les mains, les griffes sur les gens. Pour me libérer là, je comprends ça, ça veut dire. 2 millions par mois, 2 300 000 pour toute génération. Merci. Crise d'aujourd'hui, crise que nous avons dit, elle est datée. Crise nouvelle là, son crise n'a pas rani, nous avons dit, il y a un monde qui dit qu'il y a 33 ans, il y a une crise, mais on dit que c'est une crise systémique, c'est après Montelli, il faut partir là-dedans, depuis, après la mort de Lissaline, que le pays est entré en crise, que le système, non, un groupe de monde qui prend le pays en otage depuis lors, et quelque chose président passé là, il est obligé de compter avec Mounsaïo, parce que c'est censé les tenants du système, et c'est tout qui fait des faits. Donc fort de ce constat, nous-mêmes nous disons que nous ne pouvons pas là comme ça, nous entrons, nous avons quitté le président de Balavel, si bien que moi-même personnellement je fais partie du gouvernement au songer qui te paraît la Chambre blanche, qui devait une bénédiction et Chambre députée, pour que c'est des ministres intérieurs des collectivités territoriales. Donc nous nous disons là, je ne vais pas demander pour le président d'aller. C'est comme si nous avons dit, je fais un bagage, je fais l'autre. Vous comprenez? Donc, les gens qui m'ont dit d'aller au tout, je ne vais pas demander d'aller parce que d'accepter
le gouvernement de cohabitation avec. Dialogue, d'abord, c'est un terme que nous-mêmes, t'es ensemble, nous prônons. Soit on garde les doctrines politiques, non, c'est intégrationnisme, c'est-à-dire que tout le monde la donne. Nous, depuis sortir le pays de ce carcan, de ce marasme économique, qui des ordres sociales et de la balkanisation politique, par l'autre chemin, c'est par le dialogue. Et en plus, dialogue, là, on met le dialogue inclusif, ça veut dire ça. C'est-à-dire que, qu'on somme de monde qui suppose participer à la donne, on somme d'acteurs politiques, on somme d'acteurs économiques, on somme d'acteurs sociaux, d'où, qui suppose participer dans le dialogue, là, pour permettre que Haïti a l'en souffle, pour mettre une sortie dans l'état que nous est là. Parce que là, nous, dans l'état régi, sérieusement, côté que Mabdou Baga là, comme Abdounam, Gonzan, il n'a pas la veille, c'est un investi sur la classe moyenne, non? Mais je nous dis que, après toute discussion sur le fait que nous n'avons pas lieu, il y a que, il est arrivé, d'après toute sa ronée, il y a payé 140 000 dollars américains pendant le pays à l'oc là. Et forme nous clair, nous avons ensemble de monde qui a pris des pays, il n'y a pas 100 dollars d'ingo, ça veut dire que ça a passé, c'est tout chemin qui a augmenté. Moi, je m'ouvre, de tout acteur politique qui a tendu là, tout l'autre secteur, inévitablement, nous obligé à faire chita, on chita attendait, sans force côté, pour nous capables de sortir du pays, dans l'état que lui là, pour nous capables. Parce que c'est pas une question de aller, nous risque d'aller, ça le bail, comme résultat, si bien que, il y a des nègres qui viennent prendre, qui viennent bénéficier de ça, où il est, des franchises douanières de 25 ans, qui s'en dit, ouais, bénéficier pas de bagaille. Donc, nous pas qu'à aller encore. Là, nous l'en, nous pas là, combat, nous l'en débat, puisque nous l'en débat, nous disons que c'est le dialogue qui peut faire dans le pays. Il y a plusieurs montées de sang qui fait par la communauté internationale, que, un secteur de l'opposition campé sous un secteur de l'opposition, parce que c'est pas l'opposition en quelque sorte, son secteur de l'opposition campé sous Bitli, il dit que il parle en dialogue avec le président de la République. Mais au cas dit tout, il y en a d'un que me balade avec eux, il va voir comme ça eux-mêmes. Il commence à sentir que Jean-Pierre Bralé là, c'est tout le monde qui a perdu. C'est pas seulement le président de la République, c'est la vie de lui qui a perdu, c'est tout le monde qui a perdu. Et nous avons côté de contrôle le pays. Il y en a d'un qui dit bon. Inévitablement, il y aurait une nécessité pour un dialogue dans le pays. Bon, ça qui dit que même, de comme si le point ne fait pas, il faut que le président aille, parce qu'il ne peut pas dialoguer avec elle, ça c'est une position pas. Mais inévitablement, même en temps de guerre, nous dialoguons. Même en temps de conflit, combat avec l'armistice. Armistice tabac mettait fin en guerre, mais elle mettait fin en conflit pour un bon temps, pour nous dialoguer. Donc, moi, pour quelle raison, nous haïtiens, nous ne pouvons pas dialoguer entre nous-mêmes. Bon, dommage, si en général, vous ne pouvez pas dialoguer avec le président Jovenel, vous pouvez dialoguer avec l'étranger. Ça veut dire que là, quelque part, vous avez un problème d'identité, en quelque sorte. On ne peut pas passer comme ça. Il est le temps pour nous-mêmes, haïtiens, pour nous quitter ensemble, un dialogue sincère, sans force côté, mais un dialogue inclusif, et pour nous capables de sortir du pays, dans l'état, dans l'éthargie que le pays prend là. L'accord de toujours. Qui ont été faits, même à l'accord de Marouette, l'accord de Tujou qui ont été faits, il y a des partis politiques qui ne pas de la donne, il y a des partis qui pas d'invités. Ça veut dire qu'il y a un groupe de monde qui prend l'initiative, qui font le premier pas, mais ce n'est pas le dernier pas. Son marche, escalier qui a monté, pour monter marche escalier, il faut gagner, un monde qui va prendre le pas, et puis pour laisser le monde suivre. Donc dans le cas ça, je crois que le comité élargi, par le gain pour inviter d'autres partis politiques, d'autres secteurs, pas seulement la politique, d'autres secteurs, secteur privé, secteur socio-professionnel, pour inviter eux, pour nous prendre part en accord, ça que nous voulons, dans un accord largement large, un accord très ouvert. On a profité pour nous dire avec camarades nous qui sont en opposition pour nous rendre compte dans le contexte nous a, c'est celle par le dialogue que nous sommes capables d'arriver à résoudre le problème du pays. L'île est le temps pour ces pas étrangers qui mettent nous chita sur la même table. L'île est le temps pour nous autres haïtiens, entre haïtiens. Nous sommes capables de chuter pour nous bailler tête nous en mission pour nous travailler, pour nous résoudre le problème du pays. Et il faut que l'hypocrisie a fini. Il faut que nous ne pas en bon abdi, nous ne pas aller en négociation, nous ne pas chuter entre nous et puis blanc, forcer nous voyer délégation et de fait nous chuter ensemble, discussion au fait, nous continuer à bailler la population en menti. Mais nous avons profité tout pour nous parler avec les parents. Je voulais parler de petites, de madame, de Mario, tout. Parce que nous faisons constat, depuis plus de 3 mois environ,
gen yon ensemble de moun ki bay tête yo comme job bloqué la rue manifester depuis 7h du matin pour arriver 8h 9h du soir. Mais son père de famille ou quoi ou pas capable à fuir responsabilité. Jodian faut madame yo commencer à les oreilles Mario qui a fuir responsabilité yo k'ap bay tête yo menti du président a tombé président pralé et puis qu'on y a eux même yo bloqué l'école petite yo yo pas prendre responsabilité yo pour répondre avec exigence famille yo. Je dis faut nous comprendre politique là c'est pas un métier qui est lié gon paquet moun qui prend politique là comme une profession côté que yo même y a réglé affaire pa yo et yo quitter population a souffrir. Donc sous base ça je dis consortium et plateforme PPG 18 à travers porte-parole nous qui c'est maître Jonas Alexandre pour fixer position nous sous conjoncture. N'a lancé un message avec la police nationale pour nous dire bravo cette fois-ci. Je dis à ne pas venir pour nous reprocher yo. Nous venons pour nous dire continuer travail peuple haïtien camper autour de yo. Travail qu'a fait yo traquer bandi yo quel que soit dans côté yo table réfugié yo. Et on l'autre fois encore n'a demandé avec commissaire gouvernement yo pour prendre courage yo à deux bras. C'est pas simplement privilège yo pour y a jouer. Faut yo faire travail yo en tant que chef de poursuite. Et une autre fois nous-mêmes en dans plateforme politique PPG 18 et consortium parti politique yo nous engager nous dans bataille et dans combat peuple haïtien. Nous engager nous pour nous dire peuple haïtien faut que vous continuez caléger yo pour empêcher des politiciens traditionnels pas servir avec misère yo grand goût yo pour régler cause pa yo. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Félicitations d'avoir que peuple haïtien est intelligent pour comprendre que yo doit voyer petit yo l'école parce que petit l'autre égoïste l'école dans l'autre pays pendant que y a dit nous pas voyer petit pas nous l'école. C'est pour toute raison. C'est pour toute raison m'a demandé encore nous-mêmes en tant que peuple nous-mêmes en tant que monde qui vivent sous bout de terre ça jodi a m'a demandé nous continuer faire résistance parce que moun k'ap parler nan nou yo yo gen plus de 33 ans depuis yo pa de aucun plan pour nous jodi a yo vle refaire si face. C'est pour toute raison n'a continuer exiger j'en nous exiger à accord et kinam nan nous même nous réclamer nous ça rele plateforme politique PPG 18 et consortium national parti politique yo nous continuer réclamer nous de accord kinam nan même gens que Mariotte nous changer que côté monsieur Otechita pour te faire chita parler yo n'a mandé yo moment arrivé pour dialogue là parce que nous t'ai annoncé déjà mois de janvier c'est moi pour leader politique dialoguer et nous t'ai dit déjà devant micro moi de janvier c'est un mois qui mandé pour toute leader politique dialoguer mais nous pas dialoguer tout avec escroc. Nous pas dialoguer avec scamote pendant n'a mandé dialogue là c'est pas vous dire que de monde qui participait dans sans peuple là de monde qui participait dans volor piller pays là et puis c'est eux même que qui agita autour d'une table pour dialoguer qui ça nous mandé pour des leaders politiques qui fait effort à travers pays là pour venir chita son table pour dialoguer pour avenir pays là. C'est pour toute raison journée jodi a une autre fois encore nous voyons message ça by peuple haïtien pour nous dire ab gen dialogue. Tout le monde entend les cap dire pas dialoguer c'est des monde qui gagne contravention soit avec la justice soit en quelque part ils ont grains en nos cas. Ah oui. Mais monde qui monde à travers le pays pas car on peuple dans souffrance côté lié là journée jodi a pour le dire il pas dialoguer dialogue là c'est lui pour sortir nous côté nous hier et nous croire là-dedans et nous voyons message là pour nous dire leader politique yo pour demander yo prend responsabilité yo pour c'est pas blanc. OK, c'est pas blanc qui pour entrer là pour venir faire. Action internationale droit monde AIDH constaté situation droit monde dans pays d'Haïti très critique. Sous plan droit civil et politique, te gen progrès qui te kon fait. Par exemple, moun te kon manifester sans violence. Kounya noue manifestation s'écraser, s'briser et piller.
nous avons tous la liberté d'expression menacée. Pour l'année 2019, la, AIDH recensait plusieurs médias et journalistes qui sont victimes pour l'idéologie politique. Yo. Yon l'autre bon, nous avons presque pas qu'à circuler Jean Yovle à cause de barricade. Donc, droit civil et politique en Haïti fait bac en pile. Sous plan droit socio-économique et culturel, yo, te déjà un problème. Mais pendant la crise actuelle, le droit sa yo vin pi mal. Par exemple, droit à l'éducation. D'après information journal Nouvelis publié, plus passé 2 millions de timoun qui pa ka à l'école à cause climat, violence et insécurité qui vient dans pays a. Haïti te déjà pa de gen éducation ki jam, kounya sa vin pire. Donc, protagoniste crise haïtienne nan, non seulement yo violé article 32 et 32.1 constitution 1987 là, mais yo violé tout article 26 déclaration universelle droit moun. Je dis hein, si nous t'ap gade bilan par rapport à si syndicat yo pas capable et gen un bilan qui positif si dans pays côté y a fonctionné a son pays qui crasé. Je dis si nous observer ça qui a passé dans pays nous à tout côté c'est et assassinat, c'est disparition, c'est incendie, c'est maspinage, c'est violation droit moun. Gardez pour nous ça qui a passé par exemple dans IHSI. Je dis là IHSI nous IHSI yo départchal c'était une institution malgré toute bagaille tout subre sous pays a connait qui était toujours gain une stabilité. Jodi a nous ouais, yo met un directeur qui était cap agir par WhatsApp et bien pendant que la agir par WhatsApp là non pays ouais qui crase garder fatrak devant IHSI qui pas même ca lever mais ça pas dit rien ouais même directeur ça pas jamais ca l'autre bois là l'acheter il fait commande 3 machines à $125,000 américains alors que fatra pas ca lever même devant institution ça droit syndicaux yo chômage dans dernier 3 mois ça qui passé là yo puis fort monde qui t'a travail dans pays yo yo révoqué et pendant un an qui s'est passé là un an moun k'ap travay dans tout pays yo et bien salaire moun sa yo li diminué de au moins de 30% parce que goudlan li perdu 30% par rapport à valeur et à ça veut dire que l'aim de gen 100 goudlan même moins si 100 goudlan te kon a acheter un sachet pain jodi a faut mettre 30% sur 100 goud ça pour capable acheter même sachet pain que m'te kon acheté l'année dernière là. Et l'en gade un taux d'inflation qui dépassait 20%, jodi a presque 22%, eh bien jodi on pa ka parler de un bilan qui positif et surtout les que ou gen un régime qui pa wè l'autre bagay, c'est écraser, c'est briser, c'est détruire tout sa pays a te gen en termes de acquis social. Ces journées international droit moun et nous autres en tant que parti politique au niveau de parasol nous pas capable rester et indifférent face avec bataille que n'a mené au niveau encore pour défendre intérêt ça qui plus faible. Là nous parler ça qui plus faible, nous parler de madame Sarah au droit violé, nous parler de mon à mobilité réduite au monde qui handicapé yo et nous parler de diaspora yo que yo même qui pas ka vinn nan pays yo que yo forcé yo rete nan pays étranger alors que nous gon constitution qui parle l'exil mais turbulence politique fait moun yo frère nou asen yo ki nan diaspora donc yo pas ka vinn la caillou yo lè yo vle nous parler et nous également nous a parler contre les prédateurs du droit international de l'environnement et tout moun regarder tout moun a servir pour compte tête pa yo et yo pas tenu compte de ti moun yo de petit kap bini yo nous parler journée jodi a sur occasion en plus donc pour nous dire Haïti pas dans la guerre et les pays qui gagne tout problème ti moun a l'école mais la caille pas non ti moun pas capable à l'école ti moun ka l'école c'est en cachette pour aller pour mettre yo en civil donc nous parler de tout ti machin yo tout moun doit y a violé tout moun chauffeur taxi motocyclette qui a perdu machine yo et nous parler et également de ça qui permet que nous la journée aujourd'hui à qui c'est la presse également journalistes médias que droit ou violé et ensuite nous parler de compatriotes frères nous action nous qui en situation difficile
en République dominicaine côté que yo a violé droit et c'est raison ça qui fait journée aujourd'hui nous capable remarquer que parti politique parasol nous accompagner nous à d'autres institutions d'autres organismes qui yo même cap battre dans société là nous avec organisation mesdames yo nous avec organisation représentant diaspora qui yo même sans vide sensibilité pour intégration diaspora yo qui fait nous dit journée aujourd'hui et 10 décembre 2019 là nous choisi porter plainte dans OPC nous porter plainte contre X et contre le gouvernement nous dit le gouvernement de la République dominicaine donc pour question droit moun c'est qui ça plainte ça gen la donne voilà c'est de l'eau plainte nous porter dans office protection citoyen. Nous portons plainte contre X pour à cause violation des droits des enfants, violation des droits de madame Sarah, violation des droits des personnes à mobilité réduite, violation des droits de la femme, violation des droits de la presse, des journalistes et des propriétaires des médias, violation des droits des paysans, violation des droits des professeurs, violation des droits des policiers. Violation des droits des Haïtiens vivant en terre étrangère. Violation des droits internationaux de l'environnement. Violation des droits des chauffeurs et propriétaires des véhicules. Violation des droits des artistes. Ça, c'est plainte que nous portons contre X devant OPC. Donc, normalement, pour eux-mêmes acquis de droits. Nous portons également plainte, deuxième partie, contre la République dominicaine. Pour violation des droits pour le respect de la nationalité, violation des droits du migrant, violation des droits contre la discrimination raciale. Maison de la diaspora, profitez occasion ça hein, pour lui prêter voile à tout reste monde, tout reste haïtien qui vivent dans la diaspora, quel que soit pays de résidence, pour nous porter plainte contre loi qui actuellement interdit pour nous actuellement exercer tout droit civique nous dans pays nous comme nous tout là déjà connaît que nous pas gain droit de vote nous pas gain droit pour nous excepté le grand problème que yo relé diaspora vienne porter secours et yo pas gain rien encore que yo besoin dans main nous donc jodi on a tout profité pour nous dire que nous bouquet pour utiliser nous comme pompiers et que nous voulons pour nous être capables, pour nous électives et puis pour nous capables tout électeurs très prochainement à droit parce que c'est là nous fait nous pas jamais te renoncer à nationalité nous même si y a des monde qui prêtait et citoyenneté dans l'autre pays ça pas veut dire que les pas haïtien pour ça donc nous même n'a goumen pour droit nous car reconnaître mais encore et c'est prend ou fait pour prendre une série de bagages ou pas attendre pour baoul donc nous même dans diaspora n'a goumen pour nous prendre sac que qui pour nous qui c'est nationalité haïtienne non côté que nous gain droit dans pays nous pour nous gain droit pour nous voter nous gain droit pour nous et poser candidature nous etc etc donc plaît pas nous dans diaspora c'est que nous besoin joindre opportunité pour nous exercer tout droit civique nous dans pays nous que c'est politique que c'est social dans tout fait à l'occasion 71e anniversaire déclaration universelle droit monde a lancé une autre fois encore un cri d'alarme par responsable PNH là sous calvaire parents avec élèves dans grand ravine Matissan La Saline, Wav Jérémy, Cité Soleil, Village de Delma 2, 4, 6, 18, Belé a monté en bas de bandit armé qui a terrorisé la population. Et empêché l'école publique ou privée fonctionner. Côté pifo parents, avec élèves obligés de quitter la zone. Et prendre pour vest pour eux. Même petit business malheureux pas épargné. Dans Kafou, plusieurs écoles qui étaient ouvertes, la semaine passée, a obligé de fermer.
sous menace bandit armé. Dans le collège Frère Jean-Baptiste Lapé, avec l'autre encore. Dans le collège Mégé, l'école n'a pas fonctionné à cause de parents au père bandit armé dans l'ambi qui a terrorisé. Et si tout le monde connaît, façon il a brûlé machine, pillé administration, pillé business moun yo. Dans le naïve, il y a un groupe bandit dans le raboto qui en bas contrôle un leader politique qui pas voulait l'école là fonctionner. Alors que petit leader ça dans le collège États-Unis. Nous avons démarré depuis le 2 décembre. Le 2 décembre, nous étions vraiment dans un effectif réduit. Et était vraiment moins qu'on centaine de personnes qui étaient là ce même 2 décembre. Non? Mais et, hier, nous avons environ 50% de personnes qui étaient présents. Aujourd'hui, nous passons à 70% de présence. Là, donc, les parents, encore une fois, consentent le sacrifice. Et puis, le constat que je fais, c'est que nous sommes contents de rejoindre l'espace. Nous sommes contents de rejoindre les amis, les professeurs sont contents de rejoindre nous. Donc, c'est l'espace. Donc, et pour un pas oublier, nous recevons des gens qui sont vraiment dans des quartiers et en haut, et toute zone toujours, toujours. Et puis canapé vert. Donc, c'est des gens qui vraiment attachés à l'école. Donc, d'ailleurs, l'école ici, la même. Ancien élève est toujours passé par l'école. Yo, donc, moi, je connais que l'école était manquée yo, et je ne peux pas dire que j'ai besoin d'apprendre tout le monde. L'éducation, je ne peux pas dire que c'est un bagage qui est important dans la vie de la société. L'école, c'est le lieu de la de socialisation par excellence. Ça veut dire que si l'école va être. Espace, établissement scolaire n'est pas important. Il y a des pays développés, très développés, qui n'ont pas besoin de voir l'école. Moi, j'ai l'école qui t'a parlé des programmes de travail online. Ça n'a pas remplacé, on t'a dit, si nous sommes ensemble dans la salle de classe avec un professeur. De... Du 10 au 13 décembre, semaine ça, on a passé près d'une semaine de travail sur réalisation inventaire communautaire pratique culturelle. Notamment, comme pratique culturelle, nous avons travaillé sur l'ARA. Et moi, je suis bien content pour nous, chaque qui sortit dans le pays. Il y a des gens qui sortent de Jacmel, il y a des gens qui sortent dans le centre de Port-au-Prince, il y a des gens qui sortent de l'autre côté. Nous sommes bien contents de recevoir nos chaque qui là. Alors, dans nos ministères de la culture, depuis début d'année, nous entrons en phase côté que nous avons contribué à renforcer le cadre. Nous avons renforcé le cadre par formation, nous avons renforcé le cadre surtout dans le domaine patrimoine. Depuis le mois de juillet, nous avons une première séance de formation, un atelier, côté que avec le bureau UNESCO en Haïti, nous avons travaillé avec la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO, nous avons commencé. Fait formation pour quatre ministères de culture pour que eux-mêmes soient capables de rédiger fiches inventaire patrimoine. Parce que l'objectif par nous dans le ministère là, c'est pour que nous soyons capables de arriver pour que Haïti capable de soumettre sur liste représentative patrimoine immatériel une pratique culturelle. Nous commençons à travailler sur faire découper, nous commençons à travailler sur RARA et spécialement RARA Léogane. Et tant d'autres pratiques, nous commençons à préparer des documents pour nous faire soumission ça. C'est pour ça matin, nous réunissons tout le monde. C'est suivi le premier atelier que nous avons fait dans le mois de juin dans le bureau UNESCO.
c'est pour que nous capables approfondir le travail qui a commencé. Alors, objectif par nous Haïti, c'est pour que nous capables arriver ça. Pour que peut-être en 2020, nous capables bonne équipe dans le ministère de la Culture, dans la Commission nationale et tous nos partenaires capables d'aider pour que Haïti capable d'un cadre qui formé, capable d'un monde qui capable rédiger documents sous mission ça. C'est peut-être ça, nous bien contents d'accueillir chaque monde ça qui sortit dans chaque endroit dans le pays, surtout mon Léogagno. Et avec l'Union des Rara de Léogan, nous allons travailler ensemble. Et il faut nous dire l'Union des Rara de Léogan, c'est un outil qui Léogan, que le ministère de la Culture a aidé à monter pour capable aider dans la gestion de Rara dans Léogan. C'est peut-être ça, je dis à nous contents d'accueillir et contents aussi pour nous travailler ensemble avec vous. Nous là, je dis à pour commencer atelier ça, pour commencer retraite ça, on précise ça parce que c'est pas atelier. Parce que nous faisons un atelier, nous avons un travail pour nous faire. Nous avons, j'ai dit mon français, deux livrables. Nous avons une fiche pour nous, deux fiches pour nous travailler, deux documents pour nous travailler sur lui. Exactement, nous avons un document et le ministère a décidé déjà sur qui n'y a pas à faire. Et nous avons fait révision ça et puis nous avons un travail sur une fiche inventaire, un nouveau fiche inventaire adapté à sa pays a besoin. Et n'importe qui a bien pour faire travail ça, travailler inventaire patrimoine immatériel en Haïti, a bien obligation de travailler avec fils ça. Communautaire, vous l'avez dit que femme saluée tout, représentant URAL, Union des Rara de Léogan, moi écoutant pile de ce que nous avons fait effort pour nous venir, moi remercier organisateur atelier ça. Enfin, moi-même, je parle de l'atelier, je parle de retraite, parce que yo bay ministère que me salue et tout responsable ministère de la culture et de la communication bay toute condition pour nous ca vraiment rester concentré et que en 3-4 jours nous vienne réussir comprendre encore plus que premier atelier nous t'ai fait dans l'espace du bureau de l'UNESCO en juillet. Fois ça, moi j'ai un petit pensé tout pour Maïté et Adriana qui pas là avec nous mais qui saluent nous. Maïté relait très souvent, il voyait saluer tout le monde. Et donc bon, vraiment moi vraiment satisfait de comme a dit Franz Delis, directeur du patrimoine du ministère. Effectivement, nous travaillons en pile avec la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO et nous travaillons en pile avec le ministère. L'UNESCO, Haïti est un membre fondateur de l'organisation et l'UNESCO est à l'écoute des besoins nationaux pour essayer de voir comment elle peut mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir notamment, et c'est le mandat, un des mandats du programme que je coordonne, le mandat de renforcer les capacités. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un inventaire. Il se trouve que c'est l'inventaire des raras. À partir des raras de Léogan. Il y a l'autre rara, mais là, c'est l'exemple qu'on s'appuie sur les raras de Léogan. On n'en est pas encore là, mais Nabdini. C'est une occasion pour nous présenter devant la presse, deuxième édition, Marche de gloire à l'éternel, qui était faite dans l'année 2019, là, le 1er janvier. Que nous tenions un succès parce que c'est pour la première fois dans l'histoire, non, côté des chrétiens, des artistes, accepter marcher avec des chars pour salmodier non, mon Dieu. 1er janvier 2020, nous lançons une deuxième édition pour nous dire tout chrétien, n'importe où côté nous y est, nous invité dans l'événement ça. Côté nous va mettre tête nous ensemble pour nous louer
et salmodier Jésus de Nazareth, le grand sauveur. Pour nous demander, mon Dieu, pardon pour faute nous, pour ça que nous fait devant nous, pour que nous soyons capables de mettre fin à la punition que nous gagnons sous terre. Que ni nous-mêmes, ni moi-même, nous ne connaissons pas pour qui ça. Que la première république noire du monde arrive dans un état si déplorable, côté le monde a posé cette question, ça qui a passé haïtien ou là. Moment 1er janvier, ça, nous allons gagner toute réponse à travers des musiques, côté artiste, à travers trois chants, nous allons gagner ce parcours-là. Cap commencer dans 2-3 mains pour nous arriver devant et track piste. Côté nous, nous allons arriver dans un moment, nous allons gagner char allégorique avec des anges. Nous allons gagner des tours avec des anges. Nous allons montrer au monde que nous-mêmes, nous sommes chrétiens, mais nous sommes capables de faire des exploits pour bon Dieu. Parce que bon Dieu dit dans Somme 150, louez-le avec instrument à 10 cordes. Louez-le avec tambourin. Louez-le avec toutes sortes d'instruments pour nous capables de la gloire. Parce que nous croyons que David lui-même, le grand roi qu'il est, il était levé danser devant l'Éternel. Et nous-mêmes qui chrétiens, pays d'Haïti, moment arrivé pour nous faire au moins un jour participer avec nous tous, nos gros gros événements, nos marches de gloire à l'Éternel des armées. Nous croyons que l'année dernière, toute bagarre était passée bien. Et Anissa l'a passé plus bien encore. Parce que chaque instant, il y a plus d'expérience à travers ça que nous faisons. Nous dit journaliste, invitez Mounio pour nous. Pour tout le monde qui est présent, tout de blanc. Parce que c'est un signe de pureté devant l'Éternel. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'est branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.